Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, particulièrement, on va parler de cette place qui est à Amjago ici. Et je vais vous demander pour cette place de partager le live vraiment, d'accord, pour que ça puisse circuler, d'accord. Alors, point particulier pour cette place, normalement, moi, j'avais pas connaissance du projet qui devait s'implanter ici, dans le village de Amjago. Donc ici, on a un joli panneau face à cette place qui est ici. On a un joli panneau gymnase de Amjago, d'accord. Jusqu'ici, tout va bien. Depuis 2020, il y a eu une étude dessus, d'accord, pour construire un gymnase de Amjago, parce que à Amjago, il n'y a pas de plateau, il n'y a rien. Du coup, fin 2020, démarrage du chantier, d'accord. Fin 2020, ici, démarrage du chantier. Vous voyez bien. Donc, je suis pas en train de parler de n'importe quoi. Et 2021, normalement, c'était censé être l'inauguration du gymnase de Amjago. Alors, on est en 2022, les amis, d'accord. Donc, regardez la place. C'est cette place que vous voyez où on devait trouver ce fameux gymnase. Alors, moi, voilà, hein, sans raison particulière, hein, avec mes activités que je fais, je me pose la question, le pourquoi le projet n'a pas eu lieu. Et aussi le pourquoi c'est devenu un centre de déstockage, enfin un centre de stockage des paves, de voitures, de merde, de tout quoi. C'est devenu un centre de déchets maintenant. Donc toute cette place là, elle ne sert à rien en fait. Il devait avoir un gymnase ici, les amis. Un gymnase pour la jeunesse. Est-ce que vous me suivez, là? Vous me suivez, les amis? Il devrait avoir ici un gymnase. Un gymnase, s'il vous plaît. Alors, moi, ça me choque. Ah, je reste sous le choc, là, les amis. Ah oui, ça m'interpelle, là, l'histoire. J'aimerais juste montrer ça, juste comme ça. Mais ici, là où je mets les pieds, il devrait y avoir un gymnase. Jusqu'à ce jour, il n'y a rien. Alors, c'est pas à moi de soulever les questions, mais la population, la jeunesse de Amjago, ils ont besoin de ce gymnase pour le sport, pour le développement, etc., etc. Je ne peux même pas vous répondre, les amis. Je ne peux même pas vous répondre le pourquoi du comment, parce que je ne maîtrise pas le sujet. Là, ici, je suis tout simplement un observateur. Je vous fais rapporter, d'accord. Si c'est le centre de stockage des épaves ou d'électroménager, c'est à Doumonier. Donc ici, c'est devenu un chantier. Voilà, on décharge tout. On vient déverser tout, du tout venant, d'accord. Que ça soit des parpaings, que ça soit tout ce que tu veux. Tu viens déposer ta voiture morte ici, ça se passera bien. Donc, bienvenue le gymnase de Amjago. Le joli panneau là, il faudra peut-être l'arracher, non? Le panneau, là, il faut peut-être l'arracher. Hein. Je sais pas, ou ils viennent peut-être de la poser. Salam alaikum. Ils viennent peut-être de poser le panneau, je sais pas. Hein, mais ils se sont trompés sur les dates. Non, ça devrait être déjà fini, mais ça n'est pas abouti. Donc, moi, ça me fait rire, les amis. Ça me fait rire. Cette histoire-là... ça me fait rire, moi. Ah oui, oui. Putain. C'est pas possible, hein. Ah, c'est pas possible, les amis.
Non. C'est pas possible. Ah putain. Non, ça? Non. Non. Ah oui. Oui, je zoome bien pour que vous puissiez voir. Voilà. L'aberration, l'exagération, d'accord? Là, on peut tout conjuguer, là. Bon, sur ce, je vous laisse sur ces images-là, d'accord? Bon courage pour les habitants de Amjago. Je vous souhaite que le meilleur, d'accord? Pour la jeunesse et le sport. Ah oui!